Jaloux. Je raccompagnais celui-ci. On croise Bertin. Malgré la présentation là, Bertin ne veut rien comprendre. Ah. Hein? Toi aussi, il protège ses intérêts. Qui va se négliger? Faut pas lui en vouloir. C'est parce qu'il t'aime qu'il voit le danger partout. Mais moi aussi, je l'aime. Hein? Je l'aime aussi. Et pour rien au monde là, je ne peux laisser tomber Bertin. Ma chère, c'est ce qu'on dit toujours. Hein, c'est ce qu'on dit toujours. Je suis au sérieux, hein. Vrai, vrai. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire ça. Je peux vous déposer? Oh non, merci. Ça va aller. Oh non, j'insiste. Je n'aime pas voir de belles dames comme ça marcher seules et sous le soleil. S'il vous plaît, montez, c'est gratuit. Je ne vous demande rien. D'accord, comme vous insistez. Oui, j'insiste vraiment, j'insiste. Allons, on a une taxi des deux comme ça, on va pas. Allez. Allez-y. À chaque fois quand je dois t'appeler, il faut que je crie jusqu'en entendant ma voix à l'autre bout du monde avant que tu n'arrives. Non, j'étais dans la cuisine. Tu étais dans la cuisine. Qu'est-ce que tu fais dans la cuisine? Et puis quand je t'appelle, tu ne peux pas venir si tôt. Hein? Je vais te renvoyer de cette maison. Hein? Tu es sourd? Non. Si tu es sourd, tu vas déposer ton tablier et tu retournes au village. Tu m'as entendu? Bon. Là maintenant, je sors. Je ne sais à quelle heure je reviens. Si mon fils arrive, tu lui donnes à manger. D'accord, madame. Tu m'as entendu? Et tâche de nettoyer tes oreilles. D'accord, madame. Ok. Eh, madame, il n'y a qu'à lui donner à manger, vous servir à manger. Tu la fermes, hein? Ok. Vous savez... Nous qui avons l'habitude de prendre les gens en autostop, on nous prend souvent pour des dons géants.
C'est vrai que quelquefois, on ne peut pas résister au charme de certaines filles, mais en amour, le charme n'a pas de place. C'est vrai. C'est vrai, mais bon, il y a d'autres qui sont aussi tous ceux qui bougent. Oui, c'est bien dommage. C'est triste parce que quand on leur dit que la vie ne fait pas le moine, ils ne comprennent pas. Et comme ça, quand on les dépose à la première occasion, allez, elles se retrouvent deux jours après dans le lit du conducteur. Et c'est basta après, quoi. Et depuis qu'on parle là, on ne sait même pas qui nous conduit. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Je m'appelle Jean-Marc, Jean-Marc Ding. Et vous? Moi, c'est Marceline. Oui. Et celle qui est derrière là, ma copine, oui. Elle s'appelle Sheila. C'est ma meilleure amie. Ah, d'accord. Sheila. Ok, ok. Mais dites, votre copine, c'est comme ça, elle est taciturne, elle ne parle pas beaucoup aux gens. Oh non, en fait, elle est timide. Ah, d'accord. Mais on va arriver là, on va arriver. Oui. Et c'est juste après le poteau. Ici est bon? Oui, ça va ici. Ok. Elle est déjà descendue. Oui, j'ai pas votre contact. Comment on se revoit où alors? Vous prenez mon numéro? Bon, on prendra le mien. Ok. Oui, ça peut aller. 00. Oui. 32. Oui. 53. Oui. 92. Ok. Je mets Marceline. Oui. Allez. Ok. Donc c'est moi qui vous rappelle. D'accord. À allez, bientôt. Hein. Bye bye. Quelle est? Hey. Oh, quelle est? Hein? Hey. Oh, arrête-moi ça, arrête-moi ça! Ça va pas la tête? Ça va pas. Alors, quand il n'y a personne, tu te vautres dans le fauteuil. Tu ne connais pas ta place? Si. Où est ma mère? Ma mère. Oh, écoute. Où est ma maman? Ma maman. Ah, elle est sortie. Elle est partie faire des courses. Ok. Le repas après? Oui. Bon, d'accord. Je ne mange pas maintenant. Mais va voir qui est à la porte. On sonne là, va voir. C'est pas vrai. C'est lui qui... Alors, tonton Gabriel. Mon petit. Oui, bonjour. Comment tu vas? Oui, ça va bien. Ça va? Oui, ça va. Et ma soeur? Bon, il paraît qu'elle est sortie. Moi, je viens d'arriver. Ah, d'accord. Mais assieds-toi. On t'offre quelque chose à boire? Non, non. J'ai plutôt faim. Ah, d'accord. Ça tombe bien. La table est faite là. Quelle est? Quelle est? Oui, bah, quelle est? Viens, viens, viens. Bon, occupe-toi de mon oncle. Tu lui donnes à manger, ok? Voilà. Il faut lui donner à manger. Manger, manger. À qui? À moi. Ah, d'accord. Voilà. C'est bon, c'est compris? Oui. Ok. Toi, tu viens pas manger avec moi en même temps? Non, 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 j'ai pas faim pour le moment. C'est vrai? Oh, oui, je vais plutôt prendre une douche. D'accord. Alors, bon appétit. Merci. Hey, mon neveu. Hey, mais, dis donc, petit, tu attends. C'est toi là-bas. Hein? Tu me connais? Attends, donne la télé. Attends, tu me connais? Toi, t'es qui? Pourquoi tu es à midi, tu attends pour venir manger chez les gens? Toi, là, on ne prépare pas chez toi, même. Attends, tu sais à qui tu as affaire? Oh, quitte là, tu n'es qu'un simple mangeur de chez les gens. Toi, t'es qui? Mais dis donc, petit, il faut faire attention à ce que tu dis, hein? Hmm? Fais attention à ce que tu dis. Toi, tu vas faire quoi? Moi, je vais te gifler tout de suite si tu continues de me parler comme ça. Faut dire que tu as faim. Sinon, regarde-moi ça. Tu es malade ou bien quoi? Espèce d'étranger. Moi. Boy. Tu n'es pas d'ici, hein?
Ici, là, c'est la maison de ma soeur. Je viens ici quand je veux. Je mange ce que je veux, à l'heure où je veux. Regarde-moi ça. Yili, tu vas voir ce que tu vas manger aujourd'hui. Tu peux faire quoi? Espèce d'andouille. Et puis si tu continues comme ça, tu travailles plus ici. Toi, comme ça. Je vais te faire envoyer de cette maison. Je vais te faire envoyer. Parce que ça, c'est la maison de ma soeur. Hein. Ah bon? Donc, je vais lui dire, tu te renvoies sans préavis. Ça veut dire que tu vas partir d'ici sans 5 francs. Et comme tu ne connais pas la ville, tu vas te retrouver dans la rue. Et tu vas croiser les lions, les panthères, les hiboux, les chiens, les charognards. Ils vont te griffer, te manger, te dévorer. Et tu vas mourir. Tu vas voir. Il ne faut pas me donner à manger. Hibou. 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 Attends. Vrai hibou là. Oui. Mais est-ce que... Tu sais que les hibou là, ce sont des sorciers, non? Voilà. C'est les sorciers là qui vont te bouffer. Tu veux manger quoi? Tout ce qu'il y a bon. Bon, il y a salade, il y a riz au gras, il y a pleuro. Tu veux manger quoi? Je veux manger et que ça saute! Allons ça mettre dans cette. Mets-toi devant! Alors, viens vite. Oui. Il a mangé? Non, il a dit qu'il n'avait pas faim. Et pourquoi? Enfin, il n'a pas parlé. Il est venu, il n'a pas mangé, puis il est parti. Mais qui a mangé? C'est l'autre monsieur, celui qui mange ici tous les midis là. Qui ça? Votre frère. Ah, d'accord. Il y a bagage dehors? Non, merci. D'accord, merci. Donc, madame, vous partez vous reposer? Oui. D'accord. Donc, madame, quand vous revenez à 14h? Non, laisse-moi me reposer. Ah, laisse-moi me reposer. Sheila, oui. Il faut réchauffer la sauce d'hier là. Hein? Et puis tu prépares un peu de riz parce que j'ai un peu faim là. Papa, il faut qu'on songe à embaucher une servante. Ou bien faut te remarier parce que tu peux pas passer le reste de ta vie comme ça. Hein? Tu as raison ma fille. Mais... Quelle femme peut remplacer ta maman? Papa, je sais que maman te manque beaucoup et son décès nous affecte tous. Hein? Tu sais, là où elle est, elle ne voudrait pas que tu passes toute ta vie comme ça. Hein? La vie doit continuer. Ouais. Hein? Il faut que tu sors de cette léthargie, papa. Hey Dieu, c'est la petite fille qui me donne des conseils maintenant. Ok, j'ai compris ma chérie. Je vais y penser. Moi, je t'aime, papa. Oh, je t'aime, ma fille. Je vais chauffer ta sauce et préparer ton riz. Ah, il faut y ajouter un peu plus de piment. Hein? D'accord. Vas-y. Sheila. Oui. Dis-moi, est-ce que je peux vraiment te faire confiance? Pourquoi cette question? Mais parce que j'ai peur pour nous deux. Il ne t'arrive pas d'avoir peur pour nous deux. Mais pourquoi devrais-je avoir peur? Mais enfin, peur que nous ne soyons plus ensemble. Peur que notre amour prenne fin un jour.
Mais pourquoi te mettre ces mauvaises idées dans la tête? Tu es l'homme de ma vie et papa t'estime beaucoup. C'est vrai que pour le moment, tu n'as pas de boulot, mais un jour, le Seigneur va faire que ça va aller. Ça ira. Et nous allons fonder notre famille. Dis-moi. Tu trouves que je suis trop collant? Que je ne te laisse pas assez de temps libre? Que je ne te laisse pas respirer? Tu sais, tu es l'homme de ma vie. Avec toi, je me sens protégée. Excuse-moi, bébé. Mais je suis fou d'amour pour toi. Et j'ai peur de te perdre. Non, ne pense pas à ça. Moi aussi, je t'aime. Tu ne vas pas me perdre. Merci, bébé. Charles, celui-là, je n'avais même plus entendu parler de lui. Il m'a promis de se lever. Aujourd'hui, je suis suspendue comme un machin. Ah, les hommes. Tant qu'ils n'ont pas encore goûté aux fruits défendus, ils sont à tes petits soins. Ils sont attentionnés, dociles, gentils. Tu te dis, c'est l'homme de ta vie. Tout ce que tu veux, il te donne. Après une nuit passée avec toi, ma chérie. Il a disparu comme s'il avait couché avec un fou. Après ça, moi, là, je ne l'ai vu même pas. Je l'ai su au maximum avant qu'il ait pris la vie. Ma chérie, tu as agressé. Qu'est-ce que Charles ne m'a pas dit si on est parti? Dès que je serai là-bas, je vais faire tes papiers, je te fais parvenir, puis la vie pour mes régions. Jusqu'au jour où Charles n'est pas encore arrivé. Même pas. Ma soeur, hein? Attends, je vais appeler mon frère. Ta parole, laisse tomber. Ton cœur va. C'est toi. Allô chérie, tu es où? Tu peux venir me rejoindre au classé, va t'attendre s'il te plaît. Ok, je t'attends, je t'embrasse. Tu as su qui va venir? Ah, tu peux dire, Jeba. Si tu veux même la commande encore. Mademoiselle, apportez la même chose s'il vous plaît. Bon, excuse-moi, on va passer par le glacier Bataclan. Oui. J'ai un peu de sous à remettre à une de mes cousines et tout, après on s'en va. Ok, y a pas de problème. C'est bon? Oui, ça va aller. Tu es vraiment ravissante. Merci. Puis bon, je te dis infiniment merci d'avoir accepté mon invitation. Pas de quoi, normal. Ok, on y va? Ça va? Oui, ça va. Tant que tu es auprès de moi, ça va.
Je serai toujours là quand tu vas m'appeler. Ok. Cynthia, ma copine. Ah. Cynthia, je te présente Jean-Marc, mon amour. Enchanté. Et toi? Ah. Bon, tu sais, je ne vais pas rester longtemps avec vous parce qu'il y a ma tante dans la voiture là. Je vais la déposer à la clinique pour ses soins médicaux. Tu m'as jamais parlé d'une tante? Ah non, elle vient à peine d'arriver du village, il n'y a pas encore 3 jours. Elle est venue pour se traiter. Bonne guérison. Je manquerai pas. Bon, je vais donner ça. Juste, je crois. Là. Ça, c'est pour toi. Pour la facture. Hein? Ok. N'oublie pas de m'appeler. Oh non, 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 sans faute. Miss, allez, à très bientôt. Cet après-midi? Moi j'étais en balade avec des amis. En balade avec des amis? Dis-moi plutôt que tu étais avec une nouvelle conquête. Hein, mon fils? Écoute, mon fils. Tu sais, bientôt tu vas prendre la tête de la société de ton père. Tu vois, c'est très grand. Alors, il faut que tu cherches à te mûrir les idées. Maman. Hein? Il faut que tu me fasses des petits-fils, que je les voie grandir. Ah bon? Il faut que tu prennes une femme. Maman. Une femme riche. Hein? D'une famille très riche. Hein? Une femme respectueuse de notre lignée, de notre classe. Maman. Pas n'importe qui. Écoute, maman, j'ai parfaitement conscience de tout ce que tu dis, mais je pense qu'on va en parler plus tard parce que là, je suis fatiguée. Mais non, pas plus tard. Maintenant, c'est mieux. Bon. Je ne sais pas quand Jésus viendra me chercher, chérie. Écoute. Mais tu ne manges pas? Bonne nuit, mon. Bonne nuit, mon fils. Songe à ce que je viens de te dire. Ouais. Là, j'ai fini avec Marceline. Maintenant, il faut que j'attaque sa copine. En tout cas, ça n'a pas été très difficile avec elle. Bon, les femmes, elles veulent le beurre. Mais nous, on est là pour leur en mettre plein la vue. En tout cas, j'espère que sa copine ne va pas jouer les difficiles. De toutes les façons, les femmes, elles sont pareilles. Il suffit qu'on mette les moyens et puis aller ça roule.
Oui, la 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 la. Ça va. Dis quoi? Je raccompagnais Berthe là. Ah d'accord. Okay. Tu as l'air de quelqu'un qui vient de passer un moment agréable. Bingo, mais comment tu as su? Hé hey, ma copine, tu vois clair. Hein? Eh? Il faut que je t'explique. Mais attends, excuse-moi. Je vais juste lui expliquer quelque chose. Il n'y a pas de problème. Copine, tu ne peux pas comprendre. Mais le gars, il est bon. Je suis trop fond de lui. Il est merveilleux, sensationnel. Non, vraiment, c'est un ange qui est venu du ciel pour moi. Non, mais il c'est peut quel me tuer. Gars ça encore? C'est qui? C'est le gars là. Celui qui nous avait pris un autostop là. Mais je suis contente pour toi. Je suis contente pour toi, mais protège tes arrières parce qu'on ne sait jamais. Oh non, t'en fais pas pour ça. Le gars, il est doux comme du miel. Il peut même pas faire du mal à une mouche. Oh. Donc là, je suis tranquille de ce côté. De toute façon, je t'explique tout ça plus tard. Hein? D'accord. Donc, comme tu n'es pas sûr. D'accord. Ok, moi, bon, va plus tard. Au revoir. Ciao, ciao. Ok. C'est ma Céline que tu cherches, je ne l'ai pas vue aujourd'hui à l'école. Non, 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 j'étais dans les parages et j'ai profité pour faire un tour ici. Et pour me déposer comme autrefois. Oui, mais la bienséance voudrait que ça soit ainsi, à moins que tu décides autre chose. Mais pourquoi refuser? On y va. Ok. Ça va? Je vais te téléphoner. Oui. Donne-moi le portable, je vais faire le numéro.
Bonjour. Oui, c'est Marceline, oui. Ça va, merci. Oui. Ouais, écoute, aujourd'hui je n'ai pas cours. Est-ce qu'on pourrait se voir? Bon, ça peut pas être possible maintenant. Là. Hein? Oui, mais non, je ne peux pas parler affaire avec toi maintenant là. Tu veux que je t'appelle, je te rappelle ou toi tu m'appelles? Voilà, à tout à l'heure. D'accord, ok. D'accord. C'est pas vrai quoi. Tiens, ça fait combien? 300. Quoi? 300. Oh, toi aussi tu exagères. Mmh. J'ai appelé combien de... J'ai même pas duré là. Excusez ma curiosité. Oui. Vous faites quoi dans la vie? C'est important ça? Oui. Disons que je gère l'entreprise familiale d'import-export de feu mon père. Ah, je suis désolée. Non, 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 c'est rien, c'est rien. Ça, c'est rien. mais si ça ne te gêne pas, je souhaiterais qu'on se tutoie. Il n'y a pas de problème. Ok. Ok. Tu sais, Sheila, oui. J'aurais bien voulu qu'on se voit très fréquemment. Oui. Oui. Et pourquoi? Oh, tu sais, c'est juste pour qu'on devienne amis, bons amis. Amis? Oui. Et cette amitié ne va pas gêner ta relation avec Marceline? Oh, Marceline, celle-là. Non, pas du tout. Tu sais, Marceline et moi, nous sommes sortis manger un bout, c'est tout. Hein. Sinon, il n'y a rien d'autre. Pourtant, vous avez passé un bon moment ensemble. C'est elle qui a dit ça? Oui. Sûrement que ça a été un bon moment pour elle, mais moi, je suis habitué d'aller manger dehors. Hein? Il n'y a rien de particulier à cela. Mais tu n'as toujours pas répondu à ma question. Tu sais, je n'aime pas jouer à ce jeu. Hein? Merci. C'est qui celui-là? Je dis, c'est un monsieur aimable qui a voulu bien me déposer. Un monsieur aimable. Dis-moi plutôt que c'est un pointeur. Bertin, prends ça comme tu veux. De prendre ça comme je veux? Oui. Viens, dis, tu vas où? Oh, laisse-moi, y a quoi? Hey! Y a quoi? C'est à moi que tu parles comme ça? C'est à toi que je parle comme ça, c'est quoi? Oh. Sheila! Tu me lâches les baskets, tu m'entends? Tu me lâches les baskets! Oh! Tu vois? Sheila! Je ne veux pas accepter que tu me fasses ça. Tu ne peux pas accepter quoi, hein? Que des gens viennent te déposer ici. Si tu n'acceptes pas là, hein, tu t'achètes une voiture, tu viens me chercher. Ah. Oui. Ah. Tu veux vivre dans le luxe, hein? Tu veux vendre ton corps comme une pétasse, c'est ça? Mais toi, tu es malade quoi. Tu es malade quoi? Attends, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu se bats? Mais papa, Bertie ne me lâche pas les baskets là. Il me pompe l'air. Ok. Non, allez. Non. Toi, je pense que tu n'as rien compris à la vie. Bertin, tu n'as rien compris à la vie. Si je te permets de venir voir ma fille ici, c'est parce que je t'apprécie un peu. Mais aussi, je pense que je ne dois pas perturber ses études parce qu'il me semble qu'elle t'aime, même si je ne crois pas en l'avenir de votre relation. Parce que sincèrement, je ne vois même pas ce que tu peux lui apporter. Alors si tu dois te permettre de venir ici, sous mon toit, pour lui faire des scènes de jalousie et la traiter de pétasse, c'est pas la peine. Tonton, il n'a pas traité de pétasse. Non, on m'a pas rapporté ce que je te reproche. On me l'a pas rapproché. Ok? Alors ça suffit comme ça. Tonton, vous allez... Non. Je dis, je ne veux plus vous voir ensemble. Allez, sortez. Sortez d'ici. Attends. Donne-moi ça. Et puis toi, je sais que... Attends, où elle est? Je sais que vous allez continuer de vous revoir, hein. Mais plus jamais ici. Et quand la troisième, tu me ramènes une grossesse.
frappe au portail. Où ça? Au portail, va voir qui est là. Au portail. Oui, oui, j'arrive. Ouais, c'est qui? C'est moi. C'est quoi? Comment c'est quoi? Laisse-moi rentrer. Oh, pousse ça pas, c'est quoi? Hé! Hey! Madame dit de venir ouvrir, n'a pas été laisser rentrer quelqu'un. Tu veux quoi? Regarde, laisse-moi rentrer. Si tu veux pas avoir de problème, tu me laisses rentrer. Tu veux quoi? Faut me dire. Le manger n'est pas encore prêt. Oh, laisse-moi rentrer. Oh, pousse! Laisse! Regarde! Attends, attends. C'est quoi? Attends, c'est chez toi ici. Laisse-moi rentrer! Tu n'as même pas honte de manger. Regarde, cousin. Il t'y siffle quoi, toi, bro? Il t'y siffle toujours. Faut venir encore. T'as trop le giflé. Faut venir encore. T'as trop le giflé. Faut venir encore. Tiens! Ben, dis donc, voilà quelqu'un! Je vais. Hé! Hey, petit! 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 Dis-toi, yeah, ça m'aide à moi. Yeah. Quel est madame. Qui est au portail? Au portail. C'est qui? C'est qui, c'est au portail. Mais tu es allé voir qui est au portail. Ah, c'est quelqu'un. Qui est ce quelqu'un? Celui qui vient manger ici à midi. Là. C'est qui vient manger à midi? Celui qui a... Nom de cochon là. Qui a nom de cochon et puis tu connais pas? Gabriel. Gabriel, mon Dieu! C'est mon frère qui a nom de cochon? Oui. Dépêche-toi de lui ouvrir la porte pour qu'il rentre! Il est midi. Faut rentrer. Tu es malade, hein? Il faut te méfier, hein. Espèce de boy, gougnafier bon, que tu es. Là, je te gifler, toi. Gifler. Regarde-moi ça. Non, même pas, on te boy, on quitte là-bas. Regarde, va me parler. Boy. Tu es malade. Toi là, je vais te frapper. Regarde-moi ça. Ça va pas chez toi? Sauvage! Espèce de caution. Gabriel, viens. Caution! C'est moi qui te dis ça. Gabriel, attends, assis-toi. C'est moi qui te dis ça. Caution, mille fois. Dégage, va à la cuisine. Toi, ta place, c'est la cuisine. Dégage. Catalyseur. Assieds-toi. Espèce de mandibule. Assieds-toi, Gabriel, assieds-toi. Ça suffit. Laisse-le. Ringuesse. C'est pour moi que tu es là. Laisse-le. C'est pour moi que tu es là. Attends, pourquoi c'est à midi seulement tu attends pour venir dans cette maison? Est-ce que moi c'est à midi seulement je vais manger? Ne te calme-toi, ne t'énerve pas, je te parle. Hein? Je t'ai toujours dit de venir habiter dans cette maison avant que tes affaires ne reprennent. Pourquoi tu t'entêtes à rester au dehors? Rien ne marche pour toi pour le moment. Hein? Viens habiter ici, ce que je mange, tu vas manger, tu vas rentrer et sortir comme tu veux. Hein? Mais tu ne veux pas, tu t'entêtes, tu es au dehors. Mais lui, là, moi, je le frappe. Tu te fais remarquer. Je le frappe. Laisse qu'elle est. Même si tu vas le frapper, écoute-moi et dis-moi quelque chose. Mon problème, c'est que tu viennes habiter ici. Hein? Bon, j'ai compris. Oui, mais tu as compris comment? Je dis, j'ai compris. Je vais venir habiter ici, tout va finir. Ok, d'accord, merci chérie. Mais là, c'est parce que tu m'as demandé de le faire. Oh, bien sûr, j'insiste, parce que tu es mon frère. Hein? D'accord. Ça va? Ça, c'est quelle mine d'enterrement, ça? J'ai parié que c'est pouché là. Eddie, tu vas où? Bon, je sors un peu. Alors passe ton chemin et puis fous-moi la paix. Pourquoi tu es emmerdant comme mouche comme ça même? Toi aussi, tu aimes trop ça. Pourquoi tu veux résoudre tous tes problèmes avec mon gros cœur? Quand on parle seulement, tu t'énerves, tu cries sur les gens. Ça veut dire que tu aimes les problèmes, mais continue de méditer sur tes problèmes et puis voilà. C'est bon, même. C'est ça. Oh. Fous-moi le camp! Oh, pardon. Thank you.
Chérie, qu'est-ce qu'on fait après? Chérie, c'est à toi que je parle. Pardon, qu'est-ce que tu disais? Je me demande qu'est-ce qu'on fait après. Ben, je ne sais pas. Moi, après ici, je rentre à la maison. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Comment ça, tu rentres à la maison? Depuis ces deux temps-là, je te trouve bizarre. Je ne sais pas. Est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a pas plu? Non. Pourquoi pas cette réticence à mon égard? Je comprends pas. Bon, Carole, je vais être franc avec toi. Tu sais, cette façon de vivre, là, moi, je n'en veux plus. Hein. Je veux qu'on arrête. Je veux qu'on arrête simplement. Non, c'est trop facile. Comment cette façon de vivre, tu... Non, attends, je ne te comprends pas. Comment tu veux qu'on arrête? Faut me donner des explications quand même. Je ne veux pas te lever un matin comme ça et puis me larguer comme ça. Je ne sais pas quelle explication tu veux, mais moi, j'ai rien à te dire là. Je veux qu'on arrête, qu'on arrête. Je ne peux plus mener ce genre de vie, ok? Faut te justifier un peu. Écoute, ça va, hein? Bonsoir. Ah, oh. Jean-Marc. Tu vas me lâcher, oui. Tu vas me lâcher. Jean-Marc. Jean-Marc. Dans ce cas-là, faut passer demain pour lui dire bonjour. Hein? Ok. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez lui dire que je suis passé pour discuter la bonne nuit? Ok, il n'y a pas de problème. Bonne nuit. Bonne nuit à vous aussi. À vous aussi, monsieur. Merci. C'est l'une de tes nombreuses copines là. Tonton, on va faire comment? C'est ça. Je n'y peux rien, c'est elle qui court. Donc il faut qu'au moins que. Tu vois? Ah. Tu dois être satisfait quoi. Mais mon petit, si j'ai un conseil à te donner, méfie-toi parce que les filles de maintenant, elles ne sont pas sérieuses. Hein. Elles ne sont pas comme les filles de notre époque. Ne t'inquiète pas, tonton, je sais ce que je fais. Ah! La vie. Tonton. Mon petit neveu, oui. Moi que tu vois là, moi que tu vois là, j'ai mangé la vie. Ah bon? Petit! Quand moi, à mon époque, quand j'avais mes 18 ans, oh non! Les filles, ça venait de partout. Américaines, chinoises, françaises, allemandes, anglaises, belges, sénégalaises, tchadiennes, congolaises, camerounaises, ivoiriennes, ça part. Je dis, devant ma porte, les filles viennent en masse comme ça, et puis moi, je sors.
je regarde, je choisis une. Je dis, bon, les autres, rentrez chez vous. J'ai mangé la vie, petit. Mais tonton, tu vois, je fais comme toi. Tu devais être fier de moi. Je fais ça. Comme toi, exactement comme toi. Je les mange, c'est pas tonton. Je mange, tonton. Petit. Oui. La jeunesse passe. Oui, c'est vrai. Profite-en. Mais tonton, ne t'en fais pas. Je vais en profiter au maximum. Allez, à tout à l'heure, tonton. Ah ouais, à tout à l'heure. Les jeunes. Bonjour Sheila. Bonjour Germain. Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je suis venu te chercher pour te déposer à l'école. Tu sais Germain, je ne crois pas que ça soit une bonne idée. Je ne veux pas d'embrouille avec ma copine. Tu m'entends? Attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Il ne s'est jamais rien passé entre Marceline et moi. Non, rien du tout. Jean-Marc, Marceline me l'a dit. Elle m'a dit qu'elle t'aime. Tu m'entends? Ah, quand on parle du loup. Mais il est à ta recherche. Jamais. Jamais. Je suis venu te chercher pour te déposer à l'école. C'est ce que je t'ai dit. Ça va, ça. Sheila. Je comprends pas. Mais pose-lui la question, le voilà. Jean-Marc. Tu veux dire que... Oui, oui. Exactement, c'est ce que je veux dire. Il ne s'est jamais rien passé entre toi et moi. Il ne se passera rien entre toi et moi. Voilà. Ce baiser. Oui, mais ce baiser, tu l'as réclamé. Moi, je te l'ai donné et puis c'est tout. Ça veut rien dire pour moi. Sheila, Sheila, s'il te plaît, Sheila. C'est fou, là, le camp. Tu m'entends? Jean-Marc. Mais c'est avec moi que tu joues à ça? S'il te plaît. Mais tu te prends pour qui, toi? Tu es vaincu, hein? Regardez-moi celui-là. Un coureur de jupons comme toi. Tu vas voir, hein, si tu veux me mélanger avec ma copine, tu vas voir ce qui va t'arriver. Ça ne fait que commencer. Tu vas me rencontrer sur ton chemin. Écoute, Marceline, s'il te plaît. S'il te plaît, pas de donner un spectacle là, ok? Regardez-moi ce faux type là. Jean-Marc est toujours couché? Qui? Jean-Marc, il est toujours couché? Non. Il est sorti. Il est sorti. Il n'a pas dit où il allait? Si. J'ai mis l'air là. C'est pas de ça que je te parle. Je te parle pas de l'air. Jean-Marc n'a pas dit où il partait. Tu viens de me dire qu'il est sorti tôt. Si, le voilà, le même. Ah, tiens, Jean-Marc. Attends. D'où viens-tu? J'étais dehors. Dehors où? Tu es parti très tôt ce matin. Tu es rentré tard dans la nuit. Qu'est-ce qui se passe? Rien, maman. Non, il y a quelque chose. Viens me parler. Viens. Ah, s'il te plaît, maman, s'il te plaît. Excuse-moi, alors. Donc, il n'y a qu'à servir café. Tu vas servir quoi? Il y a déjà déjeuné.
Moi je t'aime, tu ne veux pas m'écouter, je vais crier très fort que je t'aime. Mais aïe, faut crier, c'est toi qui vas prendre pour un fou. Sheila, je t'aime. Sheila, je t'aime de tout mon cœur. Je suis fou de toi. Je veux que tu sois la femme de ma vie. Sheila, je t'aime. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On y va. Ok. Laisse-moi tranquille. Mais c'est madame César. Oh, c'est quoi? Aïe. Mais c'est quoi que ça? Je vais te gifler. Je vais te gifler. Enfin! Gloire à Dieu, tu es arrivé. Quelle est? Madame. Montre-lui la chambre d'amis. D'accord, madame. Voilà. Donne-lui son sac. Oh, la chambre d'amis. Montre-lui la chambre d'amis. Oui, Bertin. Tu veux voir quelqu'un? Non, monsieur. Mais, tu cherches quelque chose? Je voulais vous parler. Je voulais vous parler. Si c'est à propos de Sheila, c'est pas la peine. Hein? Monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne peux pas me séparer de votre fille. Je ne peux pas vivre sans ma elle. Ma fille est fatiguée de ta jalousie stupide. Monsieur, pardon. Non, il vaut mieux que vous en restiez monsieur, là. Monsieur, laisse ma fille monsieur, tranquille. Pardon, monsieur. Monsieur. Sorti avec beaucoup de filles. C'est vrai, j'ai eu beaucoup d'aventures sexuelles. Mais toi, tu es différente. Tu vois, Sheila, je veux que tu sois le terminus de mes gaffes sexuelles. Je veux que tu sois vraiment le blocage de ma vie. Sheila, je veux apprendre à vivre avec toi. Je veux que tu sois la mère de mes enfants, que tu sois ma femme, celle avec qui je fonde un foyer, Sheila. S'il te plaît, laisse-moi le temps de te prouver que je t'aime. Mais pourquoi es-tu amoureux de moi? Mais Sheila, est-ce que ça s'explique? Ça s'explique pas. Je suis amoureux de toi, c'est tout, Sheila. Je sais pas. Est-ce que tu peux comprendre ça, Sheila?
S'il te plaît, donne-moi une chance. Hein? Là. Bonjour. Mmh. Assieds-toi. Bonjour. Sheila, c'est bon. Enchanté. Sheila et moi, on s'aime très fort et on va se marier. Bon. Bonne arrivée, Sheila. Merci, maman. Grand, viens que je te vois un peu. Ah bon? Une minute, tu veux. D'accord. Je t'appelle et tu présentes des excuses à Sheila avant de venir. Maman, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire du mariage? Attends, c'est parce que tu as toujours voulu? Tu voulais que je me marie? Oui, mais pas sur la première venue. Hein? Maman, c'est pas comme ça on se marie. Je te comprends pas, elle n'est pas la première venue. Elle n'est pas la première venue. Ah non, je suis pas d'accord. Attends, qu'est-ce que tu veux là? Ça, c'est une profiteuse. Elle est qui? Oh, elle est de quelle famille? Qu'est-ce qu'elle s'il fait? S'il te plaît, maman. C'est la même rengaine, la profiteuse. Tu penses que tout le monde en veut en ton mari? Non. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Moi, j'ai décidé de me marier. Il faut réfléchir avant de venir. Maman, j'ai déjà réfléchi et c'est elle que je veux. Il n'y a rien à faire, je la veux. Tu veux? C'est ça, on verra. Ok. Bon, Sheila, on y va. Au revoir, maman. Au revoir. Apparemment, ta mère n'est pas contente de me voir. Oh, laisse. C'est l'émotion. Elle va s'y habituer. Allons. Jean-Marc, je te présente mon père, M. Kessé. Enchanté, M. Kessé. Enchanté, en vrai. C'est tout? C'est seulement une présentation? M. Kessé, votre fille et moi, nous aimons très fort et nous avons décidé de vivre ensemble. Soyez le bienvenu dans notre famille. Merci, monsieur. J'espère que ce n'est pas une autre aventure amoureuse, ma fille. Papa, Jean-Marc et moi avons décidé de nous marier. Comment ça vous marier, sitôt? Hein? Vous venez à peine de vous connaître, non? Non, monsieur Kessé, nous nous aimons très fort. Et nous avons l'intention de concrétiser notre amour par un acte sincère qui est le mariage. Ma fille va encore à l'école. Oui, je le sais très bien et je m'engage à lui permettre de finir ses études. Ça, vous pouvez en être sûr. Il voudrait que je vienne habiter avec lui. Oh, je dis tu vas à l'école. Tu trouves pas que c'est trop tôt, ça? Hein? Et puis, il faut me laisser le temps de réfléchir à tout ça. Tu vas à l'école. Tu penses qu'il va accepter? Des fois, il est un peu bizarre, mais il finira par comprendre. Ah, je l'espère, hein, parce que s'il refuse, moi, je serai capable de t'enlever. Je vais t'envoyer aux îles Bahamas. Thank you.
dololo, awa dololo, awa. Awa dololo, awa. Awa ne, ya de bambara na dololo. Awa ne. Chérie, qu'est-ce que dit ton père? Il est d'accord pour que je vienne vivre avec toi, mais moi je suis triste. Allez. Pourquoi tu es triste? Ben, le laisser seul comme ça, vraiment ça. Ça me rend triste. Oh, oh chérie, ne t'en fais pas. Tu sais, on ira le voir de temps en temps. Ah, d'accord. Tu sais, chérie, oui? Je suis l'homme le plus heureux. Tu ne peux pas croire. Et moi, la femme la plus heureuse du monde. La femme la plus heureuse. Oui. Et tu peux me dire pourquoi? Parce que j'ai un homme qui me comble. Ah bon? Oui. Et où est-il cet homme? Auprès de moi. Écoute, l'amour s'en va. Il faut le rattraper. Ah bon? Attrape-moi si tu peux. Attrape-moi. À la suite de te baigner dans la mer, tu tombes rarement malade. Ah oui? Dabi, tu sais, ça ne va pas chez Jean-Marc. Il devient fou. Aide-moi à le raisonner. Ah, la jeunesse d'aujourd'hui. Avec cette jeunesse, il faut s'attendre à tout. Hein. Mm-hmm. Mais tu sais, Juliette, le cas de Jean-Marc là, c'est quand même exceptionnel. Et ce petit là, il est intelligent. Hein. Ah oui, il sait ce qu'il veut. Ah bon? Oui, il sait ce qu'il veut. La fille là, Jean-Marc n'est pas prêt pour la marier. Ah bon? Non, 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 il n'est pas du tout prêt pour le mariage. Mais comme c'est un jeune, il a toute sa fougue. Il a envie de s'épanouir. Ah, donc peut-être qu'il est derrière elle pour pouvoir sortir avec elle peut-être une seule fois. Mais si la fille lui a donné ce qu'il demande, toi-même tu vas voir que Jean-Marc va lui tourner dehors. Gabi, je ne veux même pas qu'il sorte un peu avec cette fille-là. Allez. C'est des gens profiteuses. Ah. Allez, voilà. Jean-Marc, viens voir mon petit. Viens mon petit. Viens ici. Assieds-toi. Viens t'asseoir. Viens ici. Comment s'est passée la journée? Comme si, comme ça. Comme si, comme ça. Dis-moi, ce que tu viens de me dire là, c'est de la blague ou bien c'est la réalité? À propos de quoi? À propos de cette fille là, du mariage de cette fille. Non, mais moi je t'ai dit qu'il blague. Maman, je te l'ai déjà dit, Sheila et moi nous aimons. Et nous allons nous marier. Oui. D'ailleurs, je vous informe qu'elle viendra passer quelque temps ici, histoire pour moi d'avoir l'accord définitif de son père. De son père? Qui est ce père? C'est un gentil monsieur qui aime très fort sa fille. Bon, il est célibataire. Enfin, je veux dire, il est à la retraite et il est veuf. Ah non, je ne veux pas de cette fille dans cette maison. En plus, quand tu as parlé de mariage, il a sauté sur l'occasion, ce père-là, à la retraite. S'il te plaît, hein? Rien ne me plaît dans ce que tu dis. Tu m'entends? Gabi, parle à ton neveu. Non, non, laisse, je vais m'occuper de ça. Hein? Laisse, je vais m'occuper de ça. Mon petit neveu.
Jean-Marc, oui, ça va? Oui, ça va. Et ta journée? Ouais, comme ça. C'est bien. Tu sais, le petit là, il est très intelligent. Ok. Oui. C'est un petit hyper intelligent. Ok. Et quand, tu sais, nous on parle souvent de toi. Hein. Juliette et moi, quand on se retrouve, on parle de toi. C'est pas parce que tu es là, hein. Mais tu es très intelligent. Lui là, il me respecte tellement que quand je lui demande de faire quelque chose, même s'il n'a pas envie de faire, il lui dit oui, tonton. tu vois, tu es bien sapé, tu es beau. Mais le problème, c'est la fille en question là. Le petit, il faut laisser. Il faut laisser, c'est pas à faire. Cette fille là, elle, tu sais, toi où tu es là, tu es issu d'une famille noble, puissante, assise financièrement. Vraiment, on ne se cherche pas dans cette famille. On est une bonne famille. Et tout le monde nous respecte ici. Tout le monde nous respecte. Toi où tu es là, toutes les filles te courent après. Toutes les filles te courent après. Même Miss Monde, tu peux la voir. Tu comprends? Parce que tu es issu d'une grande famille. Voilà. Une famille large, noble. Voilà. Et puis une famille riche, posée, qui sait se faire respecter. Voilà. Ici, là, il n'y a pas quelqu'un qui ne respecte pas cette famille. Mais tout ça, c'est qui? C'est nous-mêmes. Tu comprends? Mais cette fille-là, elle n'est pas bonne. Elle est issue d'une famille vraiment réduite, une famille de basse classe, une famille pauvre. Et elle-même, elle est de mauvaise moralité, elle est mal éduquée. S'il te plaît, vous ne connaissez pas Sheila et je vous défends de mettre des doutes sur sa moralité. Non, là, je vous défends. Je vous défends, hein. Petit. De toute façon, bonsoir. Attends, Petit. Jean-Marc, ce mariage ne se passera pas ici. Tu m'as entendu? Ça ne se passera pas. Juliette. Tu arrêtes tout ça parce que tu es incapable de faire ce que je te demande. Hey. Moi incapable. Qui est? Vraiment pas me fâcher avec toi, alors on arrête d'en parler. D'accord? Je ne suis pas d'accord. Tu m'as entendu? Je parlerai toujours de ça tant que cette fille sera dans notre maison. Tu ne sais pas que c'est pour notre argent qu'elle est là? Tu as vu? De mon argent, tu veux dire? Tu as de l'argent, toi?
Bon, écoute, hein? Vraiment, je ne veux pas continuer à t'écouter, ok? Il ne faut pas dilapider l'argent. Tu vas m'écouter. Je parlerai toujours de cette fille. Tu m'as entendu? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tout va finir. On est là. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Jamais.